Non mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Merde. Attends, je me fais scan. Autorisation confirmée. Non mais laisse-moi, j'ai pas envie de la tuer moi. Attends, je me fais scan. Identité confirmée. Oh merde. Oh merde. Qu'est-ce qu'on fait? On la tue? Putain. Attends, j'ouvre la porte. Autorisation confirmée. Ah, bonjour. Ça va? Ça baigne? Sale con. Ok, on est par là maintenant. Ça casse un peu les boules. Par rapport à elle. Alors là, on a un truc de soin. Elle est partie où? Ah, elle est là. Merde, t'es toujours en combat ou pas là? Attends, d'abord on va niquer ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque le robot. Merde. C'est cool. T'es copain? J'ai envie d'aller parler. On va aller parler à la. Maintenant, de toute façon, on sait par où passer. On va aller parler à notre copine. On va peut-être lui demander ce qui se passe. Attends. Parce que je sais plus par où faut passer, moi. Non, c'est pas par là. Si on peut pas aider Irina. Et aussi par rapport à la fille, donc elle. Ouh la vache. Non, ça va. La fille dont elle parle, je pense que c'est la fille du mec, le noir, là, qui nous a demandé, là. Dans la troisième zone. Mais cette zone, on peut pas y revenir? Je suis en train de réfléchir à comment on peut y revenir. Ah, peut-être la. Ah oui, la porte, on peut y revenir par la porte, je crois bien. Ouais, je pense qu'on peut y revenir. Mais bon. Pour l'instant, on verra ça après. Bonjour. D'abord, on va se soigner. Voilà. Alors, viens. Warren, vous avez trouvé le directoire? Eh merde. Il faut que j'y aille. Soyez prudent. On y est presque. Vous êtes toujours le bienvenu, capitaine. Et merde, et merde, et merde. Bon. On y retourne. Je vais la laisser en vie. Je vais la laisser en vie parce que j'ai pas envie de la tuer. Je pense pas que de toute façon qu'elle drop quelque chose d'intéressant. Mais je vais voir peut-être qu'on peut la. Je sais pas, peut-être la sauver après. Genre, on détruit le. La personne ou l'intelligence qui la contrôle, et puis puis voilà quoi. Et après, on a des enfants, hein, comme d'habitude. On a vécu dans un château et on a eu plein d'enfants. Par là-bas. Putain, j'aime pas quand ils contrent comme des connards là. Voilà, on va te faire foutre. Bah va te faire mettre toi. Non par contre toi tu vas te faire foutre parce que toi je t'aime pas, tu m'as gavé. Elle est toujours là, elle est bloquée je crois. Je crois que je l'ai bloquée en fait. Avec les monstres. Enfin avec les ennemis. Merde.
sais pas ce que je fais. Mais ça marche. Elle est en train de m'aider là. Putain, j'arrive pas à bouger. Certains se placent dans une perspective politique. Mais ce n'est pas le plus. Sachons garder la tête froide. Pardonnez-moi, mais je trouve ça difficile à croire. Des rumeurs circulent sur une nouvelle version de... Elles mettent pas là, elles mettent plus. Il y aura toujours des laissez-moi vous assurer que le projet reste. Laisse-moi, s'il te plaît, je suis ton ami de putain de merde. Ça va, je crois qu'elle a arrêté de nous suivre. Ils sont à ma poursuite. Peu importe où je me cache, ils me trouveront. La douleur devient insupportable. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Il me prend toutes mes forces. Mais je baisse pas les bras. Je dois la trouver. Peut-être qu'elle m'aidera à nouveau. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je vous en supplie. Ne me laissez pas comme ça. Je me demande de qui elle parle. On sait toujours pas de qui elle parle. Attends, là on est où? On est au-dessus, je crois. Ouais, on est au début, mais au-dessus. Par contre, j'ai vu qu'il y avait deux mecs là, putain, ça va faire chier. Lâchez votre arme et restez où vous êtes. Oh la vache. Ici G7, j'ai perdu le visuel. Envoyez des renforts. Je vous ai dit de lâcher votre arme, tout de suite. À qui il parle, à moi? Oh shit. Chup. Tiens le bras. C'est bien parce que normalement un coup comme ça là, le saut avant et le R1, il y a un objet là, ça c'est pas assez pour me mettre une barre d'énergie, et là par contre ça l'est maintenant, donc ça c'est bien. Autorisation confirmée. Maintenant ça l'est, donc... Je peux faire ça directement, mettre un bouclier direct, par exemple. Ça, c'est plutôt cool. Je crois qu'on a contourné la... La salle des cerveaux. Ok, on a contourné la sécurité. Je vais faire un tour d'abord. Je vais faire d'abord un tour. Je vais voir un peu ce qu'il y a un peu à droite, à gauche. Tu veux pas venir, toi? Merde. Il y a un robot.
Casse-couille. Ça c'est mieux. Il est passé où ce connard? Oh putain de merde. Oh la vache. Putain. Pas taper plus vite, salope. Ah, on a plus de vie, putain de merde. Un meilleur. Studio Créo. Je voulais que ce soit différent. Ça a été différent. Ah tiens, monsieur connard. Mais on ne peut pas dire que j'en suis fier. Et c'est ce que je voulais. Je voulais que vous soyez fiers de moi. J'ai commis tellement d'erreurs. Mais la plus grande était de ne pas me battre pour vous. Il n'y a pas d'issue. Je ne veux pas qu'ils me prennent. Ils sont dehors, je les entends. Ils n'ont jamais été ce qu'ils prétendaient être. Et je les ai aidés à créer ce mensonge. Surtout ne dis rien à Jul. Je t'en prie, ne lui dis pas. Ne lui dis pas. Ne lui dis pas. Ça a fini comme ça. Je vous aime très fort. Sachez-le. J'ai toujours aimé Réan. De tout mon cœur. Sans comparaison. J'ai pas envie de me dire que c'est la dernière fois que j'entends ton nom. Et voilà. Une vie entière passée devant une caméra, et je suis soudainement sans. C'est quoi ça? Pardon. Je suis désolé. Je suis désolé, Réan. J'aurais pu être un meilleur mari. C'est ça ouvert, je sais pas quoi. Père. Je voulais seulement bien faire. Je voulais que ce soit différent. Nous avons toujours été fascinés par la technologie. En quête d'une relation plus étroite, plus intime. Au début du 21e siècle, l'interaction sociale via les réseaux et appareils a pris le pas sur les interactions physiques. Il permettait aux gens de montrer ce qu'ils souhaitaient être, et non qui ils étaient réellement. Mais tout n'était que mensonge. Et aujourd'hui, nous sommes enfin prêts. Il n'y a pas d'issue. L'homme et la machine ne feront bientôt plus qu'un. Songez-y. Joindre notre conscience, nos pensées, nos âmes, devenir éternel, immortel. N'est-ce pas ce que tout le monde souhaite? L'ascension ne tient pas au divin. Elle réside plutôt à l'intérieur. Ah, putain de merde. On a trouvé un implant. Parce que j'ai écouté l'audio en même temps en fait. J'ai pas fait gaffe. Injection utilisée énergie pour restaurer la santé 100. Il va falloir qu'on le change. Il va falloir qu'on le change. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas pouvoir passer là. Putain de merde. Le mec il est bloqué en plus, connard. Si
on arrive à choper l'objet sans que l'autre nous voit, ça serait bien. On a récupéré l'objet? Ouais, t'as d'éléments, ça va. C'est de la merde. Oh la vache, c'est profond. Est-ce qu'on aurait découvert un raccourci? Ça serait bien. Ça serait bien un raccourci. Merde. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que la réalité? Attends, on peut... Vous l'acceptez parce que vous ne doutez pas de vos sens. On peut pas ouvrir là. Parce que vous pouvez la goûter, la toucher, la sentir, l'entendre et la voir. Vous savez pertinemment qu'ils peuvent être manipulés aussi facilement qu'un mensonge sort de la bouche d'un politicien. Putain. Ce monde est un voile nous masquant la vérité. La vie n'est qu'une illusion qui nous berce comme des... Il y a un truc pour ouvrir le... C'est si confortable. Et nous savons mieux que quiconque comment la mémoire fonctionne. Les masses l'acceptent comme vérité infaillible, même si nous reconnaissons la malhonnêteté de notre propre esprit. Nous dansons comme de vulgaires marionnettes au bout d'un fil invisible. Oh, va te faire... Enculé, quoi. Ah, fils de chien. Il y a un... Il y avait un truc de... De drone. Il y avait un truc de drone. Pour... Je pense que c'était pour ouvrir la porte. Ah tiens, on a assez d'énergie, ben, je suis surpris. Je suis assez surpris. Je sais pas si l'endurance nous aide, franchement, comme ça, mais bon. À la limite, je préférais avoir plus de vie, moi. Mais bon. Je sais pas trop. Bon alors, on met ça. On va tester ça un peu. Et là, on peut toujours pas enlever, donc... Ouais, on peut pas enlever. On va voir un peu. Ouais, il faut un peu plus d'énergie par contre. Maintenant. Il faut un peu plus d'énergie que couper les pieds là. Couper les pieds, couper les membres. Je pense que... Où c'est qu'on était, c'est juste là. Personnellement, je pense que c'est ça. Possible. Parce que vu qu'on a fait que monter, et puis le dernier ascenseur en fait, c'est un truc qui fait que descendre pendant genre... 30 secondes, je pense que c'est ça. Donc on va recommencer. On va esquiver. Putain, ah non, il y a quand même beaucoup à tuer. Oh la vache. Le problème, c'est que ils sont tous devant en fait. Le problème, c'est que ouais, c'est tout petit à chaque fois. Bon, on va voir. Très étroit. Par là-bas. Qu'est-ce que je fasse là, sérieux? Mauvais endroit, mauvais endroit, mauvais moment, t'es que ta mère. Elle est pas morte. J'ai pas envie de la tuer, moi, putain de merde. Quelqu'un est mort, le devoir avant tout. Oh non, elle est morte.
Mais putain, j'avais pas vu que c'était un... J'ai cru que c'était le mien, en fait. Je crois qu'elle est morte. Je crois qu'elle s'est fait tuer par le mec, en fait. Merde, c'est pas par là. Je veux aller voir son cadavre. Putain, par où on descend? Il y a un endroit ici, attends. Je suis allé ici ou pas? Non, je suis pas allé ici. Vas-y, on va te couper la tête. Il faudrait qu'on coupe autre chose que la tête, en fait. Parce que la tête, on est bon. Évidemment. Voilà. Bras, ça peut être pas mal. Contrepoids mécanisé. C'est pour augmenter les dégâts. C'était mon œuvre pour l'humanité. Mon nom aurait été inscrit à jamais dans tous les livres d'histoire. Sûrement la fusée, ça. Mais maintenant, j'ai peur qu'il soit associé au pire. Si je pouvais isoler le moment qui a tout fait basculer, je ferais tout pour empêcher le désastre de se produire. Mais c'est impossible. Mon arrogance aura causé ma perte. Je me suis présenté au monde comme je souhaitais qu'on me voie. Il n'y avait pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Howard Bonham. Merci pour votre... Même à mon âge... Quel orgueil. J'ai tenté de pallier les défauts de Resolve avec des ajustements faits à la va-vite. Avec du recul, ça paraît ridicule. Elle a disparu. Mais nous étions aveugles. Comment avons-nous pu ne rien voir? Nous avons... échoué. Nous avons abandonné... tout le monde. Ben voilà mon œuvre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir... Je crois qu'elle a disparu, ou alors que c'est le cadavre là qui est... Mais ça m'étonnerait. Je sais pas. Mais ouais, je pense qu'elle est morte. Oh la vache, putain! C'est bien, pourquoi j'ai pas de bouclier? Allez, ramène ton cul, connard. Vas-y. Voilà. Ok, on est de retour ici. C'est terrible. Merde! J'ai utilisé le mauvais... mauvais truc de soin. Putain, je fais de la merde. Je fais de la merde. Complet.
Qu'est-ce que c'est relou. Qu'est-ce que c'est relou ces trucs. Oh mon putain de dieu. Eh mais faites des trucs encore plus chiants quoi. Me faire chier longtemps. Le truc c'est que l'autre il est pas en armure en fait. C'est ça qui gère. Oh la vache, j'espère que c'est vraiment un raccourci hein, ce que je viens de dire parce que là il faut qu'on aille se soigner et tout. Hein. Sérieux là? C'est bizarre que le... Non, c'est juste le dessin en fait qui est à moitié dans le mur. Je sais pas, c'est bizarre. Yes! Yes, yes, yes. J'avais raison. Toutes les stations répondent de présent. J'avais raison. Oh, on peut avoir l'armure. Non. Yes, on peut avoir l'arme aussi. Yes. On va faire ça niveau 4. On peut faire ça niveau 5. Je l'aime bien cette arme, mais on va attendre. On peut faire le bras. Faudrait couper le torse, parce que le torse c'est bien. Il faut couper du torse. Il faut les couper en deux. Ça va, c'est bien. Je suis content. On gagne des bons trucs. On va regarder vite fait ce qu'on a. On a eu ça, je crois. Dégâts physiques aux armes, plus 25 partout. 12, c'est que 12 d'énergie. C'est pas beaucoup. Mais le problème sur ces trucs-là, c'est que... Ça, je sais pas trop si on l'a vu en fait fonctionner. Je sais pas, on va le laisser pour l'instant. Le truc c'est que... Quoique non, ça sert un peu à rien en fait. On va mettre autre chose. On peut mettre ça. Parce que, imaginons on le met. Putain, en plus c'est le même que... C'est le même que le bonus. Que le drone. En fait, là, je l'utilise, et après, pour me remettre de la vie, faudrait que je switch, en fait. Faudrait que je switch beaucoup, ça fait 3 trucs à switcher. Après, bon, les dégâts, je pense que c'est pas mal, quoi, parce que là... Là, quand même, on est à 104, puis après, on augmente, genre, dégâts écrasants, tranchants, perforants. Ça peut être... gentil, quoi, ça peut être pas mal. Mais bon, ça m'embête, quoi, de switcher autant. Donc on va mettre autre chose. Atténue la diminution d'énergie, c'est pas mal, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de le mettre. Stock d'énergie, ça peut être aussi pas mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire par marque. Réduit le coût en endurance des esquives. Ça, j'avais pas vu ça qu'on avait fait. Ah oui, calibre pneumatique. Ah oui, c'est parce qu'on écoutait un enregistrement, je crois. C'est pas mal, moins 25%.
Bon, 25% des esquives, c'est pas mal. Le stock d'énergie, c'est pas mal. C'est embêtant. Ça, on peut pas le stacker. J'avais essayé parce que, en fait, on peut pas. C'est différent. Enfin, je l'avais dit, je crois. Je l'avais déjà dit. Je sais pas trop quoi prendre. Je crois qu'on va mettre le truc qui garde l'énergie, en fait. Non ? On va peut-être mettre ça, tiens. Régénère la santé quand on fait un coup de grâce. Ça peut aider aussi. Ça peut aider. Après, ce qui serait bien, c'est de faire un combo comme ça. Avec... réduit le coût d'énergie des coûts de grâce, genre 20-30%. Parce que là, on a que 10, donc ça, franchement, ça vaut pas la peine du tout de mettre 10%. C'est pourri, on s'en fout. Mais faire une sorte de régène constant, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, moi je vais faire une petite pause et après on reprend avec notre nouveau raccourci. On est peut-être près de proche de la fin du jeu, je pense. A tout de suite. Alors on est reparti. Par contre, avant qu'on repart, on va appeler machin. Ah. Warren, vous avez trouvé le directoire ? Ah putain. Il faut que j'y aille. Parce que je pensais que, bon, c'est... Ouais, mais... Heureuse de vous aider. C'est vrai qu'on a... On a juste écouté des audios, donc je crois qu'elle réagit pas quand c'est des audios. En tout cas, nous avons notre arme niveau 4. On peut la faire niveau 5 même. Non, on va pas le faire. Ah oui, l'ascenseur est en route, c'est vrai que c'est long ça. Il faut qu'on coupe des gens. Il faut qu'on coupe des gens en deux pour récupérer l'armure, le body. Oh la vache, oh la putain de sa race. Une vie entière passée devant une caméra et je suis soudainement sans. Je suis bloqué, je suis complètement bloqué avec la putain de caméra de merde. J'aurais pu être un meilleur mari. Va te faire mettre. On fait comment là? Est-ce qu'on peut passer par là? Ici G7, il refuse de coopérer. Maîtrisez la cible. Ici, oh la vache! J'ai perdu le visuel. Envoyez des renforts. Ok, ok, on se les fait. Eh, sujet. Ici, Gif, il refuse de coopérer. Maîtrisez la cible. Arrêtez! Yes! Non, on l'a pas eu. Mettre. Voilà. Ici G7, on a une confirmation. Il refuse de coopérer. Maîtrisez la cible. Hey, G7. Ici G7. Arrêtez! Il refuse de coopérer. Maîtrisez la cible. Ici G7, j'ai perdu le visuel. T'es sérieux? T'es débile ou quoi? Je suis devant toi, abruti. G7, tu vas pas pouvoir parler trop longtemps. Voilà. Au-delà de ce point, personnel autorisé uniquement. Bon, bon, bon. On a... Ouais, on a utilisé un truc de soin.
À la limite, je préférerais revenir, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. On va déjà voir ce qui se passe. Ok. Bonjour. Protocole de secours actif. Journal. Temps 0h. 3 minutes 12 secondes. Suspension réussie du neurovote de la salle du directoire. Vote du quorum sur le problème Utopia enregistré. Membre du directoire. Bonham. Green. Fox. Vanderbilt. Navabi. Ito. Et Freeman. Vote du quorum en attente sur le problème Utopia. Membre du directoire. Ace. Assistance médicale d'urgence demandée. Continuation de la cascade exponentielle dans la totalité des systèmes créo. Rapport de sinistre. Inconnu. Effet secondaire probable sur le personnel. Pour la plupart des implants neuro-opérationnels. Ah! Ça y est. J'ai réussi. J'espère que t'es fier de moi. Je fais désormais partie de la machine corporatiste. On peut pas dire que c'était mon rêve le plus fou, mais... On n'a rien sans rien. Je sais, beaucoup de gens comptent sur c'est moi. C'est pas Irina? Je suis plus la proie, mais le prédateur. Je te décevrai pas, papa. Je te le promets. Ça sera pas comme les autres fois. T'es tout ce qui me reste. Et je te laisserai jamais tomber. C'est le travail le mieux payé du continent pour de la main-d'œuvre non qualifiée. S'ils veulent de la non qualifiée, c'est ce qu'ils vont avoir. Je t'aime, papa. Ha. À bientôt. Bisous. C'est pas Irina? Celle qu'on a tuée? C'était le cadavre là qu'on avait vu là où c'est que bon elle s'est fait tuer par un ennemi en passant parce que je l'ai esquivé. Peut-être que le cadavre en fait c'était elle, c'était un cadavre robotisé, c'était pas un cadavre d'humain, c'était peut-être elle en fait. Parce qu'on n'a pas vu son cadavre quand elle est morte en fait, on n'a pas vu se faire tuer, mais on a eu le succès puis on a eu des ressources, donc je pense qu'elle est morte et puis elle est plus là donc elle est morte, mais là elle est là donc bon. Peut-être que la vraie est là, et puis celle à laquelle on parlait, c'était un robot. C'était genre une intelligence artificielle. Pour l'instant, ça me semble plausible, mais bon, on verra ça plus tard. Niveau d'accréditation suffisant. Accès accordé. Confinement désactivé. Réinitialisation du pare-feu de la direction. Il y a un objet là. Paramètres standard. Attention. Confinement désactivé. Online. Les opérations ont repris leur cours habituel. Veuillez regagner vos espaces de travail désignés. Cool, il y a de la lumière. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, peut-être qu'on peut ouvrir la porte maintenant. C'est un mystère. Non, c'est pas bon. Ah si ! Si, c'est bon maintenant. Trois souris. Voyez comme elles courent, voyez comme elles courent. Coupez leur queue. Désolé d'avoir mis tant de temps. Il y a eu un problème pendant la réinitialisation. L'influx qui a suivi m'a éjecté du système. Tout va bien, je suis là. Je ne pensais pas être capable de le ramener. Mais il s'est révélé être remarquablement résistant. C'est une salope, en fait. Contrairement aux autres. Comment ? Allons, monsieur Green. Je suis avec vous. Voyons ce qu'on peut faire pour vous. Elle essaye de les faire voter, en fait. Non, 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 non. C'est pas vrai. Je suis là, maintenant. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Système. Défibrillateur opérationnel. Réanimé. 3, 2, 1, décharge.
Réanimé. 3, 2, 1, décharge. En fait, elle essaye de les manipuler, de les faire voter. Non, c'est impossible. Après tout ce que j'ai fait. Je vous ai sauvé. Je vous ai... Quoi ? Je comprends rien. Début des préparatifs pour le lancement. Ah bon ? Confinement du nucléus désactivé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas ? Attention, UTP 01 confirmé. On peut rien faire. Personnel d'Utopia, veuillez vous rendre à vos postes de travail désignés et attendez la suite des instructions. Ça disait quoi là ? Mort. Succès déverrouillé, conduisez-moi à votre chef. Ouais, donc bon, ils ont été plus ou moins manipulés avec... Putain, des chaises avec des trucs. Pourquoi tu t'assiérais sur une chaise comme ça quand tu sais qu'il y a un truc qui peut te foncer dans le dos comme ça ? Enfin, peut-être qu'ils étaient pas au courant, on va dire.